that you never even imagined. Stop. Pitié, stop. Je crois vraiment que là, l'anglais ne peut pas vraiment dire que ce soit votre tasse de thé. Reprenons tout depuis le début et voyons comment on peut améliorer ça. It might be true that there are 6 billion people in the world and counting. In a sense, it's like nevertheless, what you do not makes a difference. Bonjour à tous. Dans l'émission Phonetics, nous allons voir comment on peut lire un mot à voix haute en anglais sans jamais l'avoir entendu. Et oui, comment on prononce un mot juste sur la lecture? Vous savez certainement le faire en français, mais alors en anglais, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que vous savez le prononcer correctement? Mais ça t'a servi à quoi de te moquer? Ça a une utilité? Il s'agit là bien sûr d'un film dont on rit, mais qu'en aurait-il été en réalité? Dans ce mot. Pour cela, prenons l'exemple du mot place. Voici donc un place sauvage qui apparaît. Il s'agit d'un spécimen de place assez commun dans son habitat d'origine qui se balade tranquillement dans la nature sans se douter de quoi que ce soit. Il se balade innocemment sans même savoir qu'en son sein, il porte un accent. Cet accent, on va l'appeler l'accent tonique. Il y a 3 façons de prononcer la particule ED à la fin d'un verbe. Mais surtout, il y a une façon de ne jamais le prononcer, c'est aide. Sérieux, si vous le prononcez aide après avoir regardé cette vidéo, je vous assure que je sors le lance-flamme et je crame un chaton. Où est-ce que vous avez vu que l'école demande à des poissons de grimper à des arbres? Franchement. Non, moi ce que je vous propose à la place, c'est d'essayer de comprendre ce qui se passe dans leur petite tête quand ils sont de mauvaise foi. Pourquoi ils réagissent comme ça alors qu'ils sont définitivement cramés? Je trouve que c'est important comme question à se poser plutôt que de directement accuser les élèves en disant qu'ils font exprès, quoi. De qui donc me parlez-vous? Qui sont ces Romains chez nous? Vous qui les connaissez si bien, dites-nous donc s'ils sont bien des saints. Souvent, quand je rencontre des gens et que je leur dis que je suis prof d'anglais, eh bien, on me répond... Ah non, mais je te préviens, moi, je suis nul en anglais. J'ai vraiment un accent de merde. Oui, parce que les bacs professionnels, ça existe. Même si en général, les parents, les conseillers d'orientation ou encore les professeurs ne conseillent pas forcément cette voie-là. Mais est-ce un bon conseil à donner à ceux qui sortent de 3e? Va. Vous avez dû entendre quelque chose que vous n'avez pas su clairement identifier. Peut-être parce que vous n'avez jamais entendu ce son auparavant, ou alors peut-être parce qu'il n'existe tout simplement pas. Donc en français ça donne divorcé, décapité, décédé. Divorcé, décapité, a survécu. Youhou! Ça promet une belle ambiance! Car en français, on a pris l'habitude de tout genrer. Un docteur, une docteure. Oui, je sais que l'Académie française n'aime pas trop ça, mais en même temps, peu importe de ce qu'ils ont à dire, puisque de toute façon, ça fait quand même un moment que ça se pratique dans l'usage du français. Et du coup, on a quand même 2 adversaires qui meurent le même jour, 50 ans après un grand événement auquel ils ont participé. Et pas un tout petit peu. C'est-à-dire qu'ils ont quand même eu une grosse participation dans le truc, quoi. Si vous écoutez bien le générique ou encore un extrait vidéo, vous y constaterez que Spider-Man s'y fait traduire par l'araignée. Puisqu'il faut tout traduire, parce que sinon les gens ils comprennent pas après. Et c'est vrai que ça ferait un peu mal de se dire que le féminisme serait redevable d'un mec qui a tué 2 de ses épouses, qui en a divorcé 2 autres, et qui a... Non, il a rien fait aux 2 autres. Non, c'est vrai que pour les 2 autres, là, c'était vraiment pas lui, pour le coup, hein, on peut l'admettre. Laissant à Dao la lourde tâche de s'adresser à des personnes de rang social inférieur. En revanche, on peut constater que Dao est encore utilisé de nos jours pour s'adresser à Dieu. Parce que oui, les anglophones, ils aiment bien être intimes avec Dieu. Alors sérieux les anglais, comment ça se fait qu'on passe de Hermione à Hermione? C'est quoi la logique? Pourquoi ça se prononce pas comme ça s'écrit? Bon, la réponse est simple, c'est tout simplement à cause des Grecs. Comment ça à cause des Grecs? Qu'est-ce qu'ils viennent faire là-dedans ceux-là? Bienvenue sur British Society, aujourd'hui nous allons dévoiler toute la vérité sur l'histoire du moment où les Anonymous
ont fait sauter le Parlement britannique. Le gouvernement ne veut pas que vous le sachiez, et vous avez sans doute oublié ces événements puisque le MI6 vous a effacé la mémoire. Bon, on est d'accord qu'en général, les francophones, quand on est victorieux, on n'a pas trop tendance à se dire qu'on est niqué. Mais les Grecs, eux, si. D'ailleurs, je vous conseille pas du tout de prononcer ça niqué. Hein. Voilà, que ce soit dit, ne dites pas ouais, il a dit. Non.